Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Asus Money, car dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau moyen que tu vas pouvoir mettre pour gagner de l'argent sur Internet. Ceci est une méthode qui ne va te demander aucun investissement, c'est une méthode qui va fonctionner partout dans le monde. Tout ce dont vous aurez besoin pour démarrer cette méthode, ce sera tout simplement soit un téléphone portable ou tout simplement un ordinateur, bien évidemment doté d'une connexion Internet. Mais avant qu'on aille plus loin, si ce n'est pas encore fait, j'aimerais tout d'abord t'inviter à t'abonner à la chaîne Asus Money, à activer également la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu aimerais savoir quelle est ma recommandation numéro 1 pour gagner de l'argent sur Internet, j'aimerais tout de suite t'inviter à te rendre dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur le tout premier lien ou n'importe quel lien Bitly que ça fait juste là. Tu vas entrer ton adresse email et moi je t'enverrai ça instantanément. Si tu es bien installé, je te dis c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un business qui s'appelle tout simplement l'affiliation. Si tu ne connais pas l'affiliation est tout simplement un principe marketing qui met en relation deux associés qui sont généralement connus sous le nom de l'affilieur et de l'affilié. Alors l'affilieur, c'est tout simplement une personne ou une entreprise qui met à la disposition de sa clientèle un certain nombre de produits et généralement pour l'aider à vendre, l'affilieur fait appel à des affiliés pour l'aider justement à vendre ses différents produits à d'éventuels clients. Donc à chaque fois que l'affilié va aider l'affilieur à vendre des produits, l'affilié va bien évidemment toucher de petites commissions de la part de l'affilieur. Alors pour accéder à notre plateforme d'affiliation aujourd'hui, je vais te donner rendez-vous sur le site qui s'appelle System.io. Alors si tu ne connais pas System.io, System.io est tout simplement une plateforme en ligne qui donne la possibilité tout simplement à ses utilisateurs d'automatiser le business. Je vais pas t'expliquer tout simplement à quoi cela consiste, mais si tu aimerais voilà savoir exactement comment fonctionne System.io, il y a plein de tutos sur internet où tu trouveras tout simplement des vidéos sur comment se former System.io, comment lancer son business, comment automatiser son business et tout. Donc voilà, je t'invite tout simplement à faire des toutes petites recherches. Alors ce que moi je vais te demander de faire, lorsque tu vas créer un compte, tu vas atterrir tout simplement sur une page similaire à celle-ci, ne t'inquiète pas. Une fois que tu y es, tu vas simplement te rendre à ce niveau sur le tableau de bord et donc tu vas cliquer à ce niveau sur Marketplace. Alors tu vas tout simplement être redirigé vers cette page et c'est donc à ce niveau que tu vas tout simplement voir quels sont les différents produits qui sont en vente sur la marketplace System.io. Alors une fois que tu es à ce niveau, tu vas tout simplement parcourir des offres et tu vas tout simplement découvrir en fait quelles sont les offres que voilà tu souhaites tout simplement promouvoir en tant qu'affilié. Alors il y a deux choses que j'aimerais t'inviter à observer si tu souhaites promouvoir n'importe quel produit. Tout d'abord, c'est de voir le taux de rémunération, ça c'est d'un, et de deux, de voir tout simplement le nombre de ventes qu'a effectué ce vendeur. Pourquoi ces deux critères? Tout d'abord parce que ce que l'on souhaite, c'est pouvoir vendre un produit qui va nous permettre de faire un maximum de commission dès la première vente. Et pourquoi faut-il cibler un produit qui a déjà fait ses preuves? Tout simplement pour nous assurer que le produit que nous allons promouvoir, eh bien, c'est un produit qui naturellement a beaucoup de succès et ce qui va bien évidemment nous assurer également que nous faisons bien de promouvoir ce projet. Alors comme tu peux le voir, nous avons la faille secrète, le tsunami des offres Make Money. Tu le vois, ce projet n'a été mis en vente que le 24 août, ça fait moins d'un mois et tu vois qu'elle a déjà généré 132 000 euros les 30 derniers jours. Alors nous allons donc tout simplement promouvoir ce projet. Je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir promouvoir ce produit et comment tu vas pouvoir rapidement obtenir des commissions rapidement. Alors tu vas pouvoir toucher jusqu'à 60% de commission et comme tu le vois, le panier moyen est à 50 euros, ce qui veut dire que si tu parviens à faire la promotion de ce projet, à chaque fois tu auras la possibilité de gagner 30 euros lorsque tu vas pouvoir faire une vente. Si nous cliquons à ce niveau sur promouvoir l'offre, dès lors que tu vas t'inscrire et que tu vas cliquer sur promouvoir l'offre, tu vas être redirigé vers la page du produit et c'est tout simplement ce lien, comme tu le vois juste là, qui sera exactement ton lien d'affiliation. Donc c'est très important, ne le confonds surtout pas car c'est grâce à ce lien que tes commissions te seront versées. Alors comment nous allons faire pour tout simplement pouvoir toucher très rapidement nos 30 premiers euros grâce à nos 60% de commission et surtout comment nous allons pouvoir faire si possible pour les toucher plusieurs fois en une journée. Pour cela, il nous faut tout d'abord du trafic car c'est très important sur internet. Si nous n'avons pas de trafic et un trafic qualifié, ce sera très compliqué pour nous de pouvoir faire des ventes. Alors pour obtenir le maximum de clics sur votre lien d'affiliation et donc le plus de chances pour vous de faire du très gros chiffre, je vais vous donner rendez-vous sur le site qui s'appelle Pinterest. Je ne sais peut-être pas, mais Pinterest est tout simplement un véritable trésor en matière de trafic. Très peu de personnes en parlent, mais pourtant Pinterest est un réseau social qui a énormément de potentiel
où tu peux vraiment faire de très grandes choses gratuitement, surtout si tu les fais correctement. Alors, je suis sur Pinterest vraiment depuis très peu de temps et comme je peux le voir, car je réussis quand même à avoir un peu plus de 2500 visites mensuelles et j'ai 8 abonnés, c'est pas mal parce que je ne fais quasi rien sur Pinterest. Je suis juste là comme ça, je publie de temps en temps et j'ai voilà un trafic assez intéressant et je pense que vous également pouvez le faire. Je vais vous montrer cela tout de suite. Alors, si je me rends sur mes analytics, vous voyez que j'ai fait vraiment de très simples posts et les posts, vous voyez, ce n'est même pas moi qui les fais. Je ne me contente que de les copier et de les coller tout simplement. Alors, vous voyez que j'ai un trafic assez intéressant qui est plutôt grandissant. Et voilà, je n'ai fait vraiment pas grand chose si ce n'est de recopier et de coller des posts tout simplement. Et du coup, je peux facilement diriger ce trafic, voilà, où je veux, n'importe où. Je peux les diriger vers ma chaîne YouTube, je peux les rediriger vers mon site web, je peux les rediriger n'importe où. Alors, comment vous allez faire pour obtenir du contenu que vous allez pouvoir poster très facilement sur Pinterest? Pour cela, j'aimerais vous donner rendez-vous sur Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, j'aimerais vous recommander d'en créer un. C'est vraiment très capital pour la suite de la méthode. Donc, vous allez vous rendre sur la barre de recherche Instagram et de là, vous allez par exemple taper n'importe quoi qui a un rapport avec la motivation. Par exemple, motivation FR. Vous voyez tout simplement que j'ai un ensemble de résultats, donc je vais cliquer à ce niveau par exemple sur motivation en France. Alors déjà pour commencer, ce n'est pas ce genre de contenu qui va nous intéresser. Je vais te montrer le type de contenu qu'il est préférable de poster sur Pinterest. Donc si tu es sur un compte de motivation, tout ce que tu auras à faire pour ne pas te fatiguer à refaire des recherches et de cliquer tout simplement sur cette barre comme tu le vois et ça va te sortir un ensemble de comptes similaires tout simplement. Donc je vais cliquer par exemple à ce niveau sur citation entrepreneur et voilà, c'est exactement ce type de contenu qui va nous intéresser. Donc j'aimerais que tu te concentres particulièrement sur ce genre de contenu et tout ce que tu auras à faire ce sera de télécharger gratuitement et d'aller les poster sur Pinterest. Alors nous allons par exemple cliquer à ce niveau sur avant de prier quoi et tout et tout. Une fois que tu as cliqué sur le post, il va apparaître. Alors j'aimerais que tu copies tout simplement le lien de ce post qui se trouve juste là. Donc tu vas le copier et pour télécharger ce post, je te donne rendez-vous sur le site qui s'appelle downlogram.org. Une fois que tu y es, tu vas tout simplement être redirigé vers cette page et c'est tout simple, tout ce que tu as à faire, c'est de copier le lien du post à ce niveau. Donc je vais le coller tout simplement juste là et je vais cliquer sur Download Now. Et donc en un rien de temps, tu vois que le post est juste là, tout ce qui te restera à faire, ce sera de cliquer à ce niveau sur Download et ton post sera instantanément sauvegardé sur ton appareil. Alors ce que je vais te recommander de faire, c'est de télécharger le maximum de posts possible tout simplement pour optimiser ton contenu sur Pinterest. Alors tu vas tout simplement télécharger chacun de ces différents posts et si tu es en quête de contenu, tu n'auras qu'à cliquer de nouveau sur cette petite flèche juste là et tu auras la possibilité de sélectionner une fois de plus un bon nombre de comptes pour télécharger un maximum de contenu. Donc nous allons ensuite nous rendre sur Pinterest. Je vais te montrer exactement comment tu vas poster. C'est très important le post sur Pinterest car il y a des règles à suivre que j'aimerais t'inviter à respecter. Alors dès lors que tu as téléchargé ton post et que tu souhaites déjà pouvoir le publier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer à ce nouveau sur créer et tu vas cliquer là sur créer une épingle. Tout simplement ce que tu auras à faire, ce sera de cliquer à ce niveau pour télécharger l'image sur ton ordinateur, donc je vais le faire tout de suite et je n'ai plus qu'à cliquer sur l'image qui se trouve juste là, donc je vais double cliquer là-dessus et tu vois cette image juste là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter un titre. Le titre doit naturellement faire allusion au produit que tu essaies de promouvoir. Donc notre produit c'est celui-ci et nous devons nous assurer que les informations que nous fournissons sur la description de notre épingle soient des informations vérifiées. Donc ce que tu vas faire, c'est que dès lors que tu auras cliqué sur promouvoir l'offre sur la page du produit, tu n'auras tout simplement qu'à t'inspirer tout simplement du titre vu sur le site. Par exemple, votre compte a déjà encaissé 1205 €. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement écrire sur Pinterest comment gagner de l'argent sur internet, deux points, formation complète tout simplement, et tu vas laisser simplement comme ça. Et pour la description, si tu vois là, parlez-nous de notre épingle. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'y entrer un maximum de tags. Tu pourras t'inspirer des tags trouvés sur des vidéos YouTube tout simplement, ou alors tu n'auras tout simplement qu'à copier et coller mes tags à moi tout simplement. Donc une fois que tu as terminé avec ton titre et avec ta description, c'est tout ce que tu as à faire. La dernière étape, qui est l'étape la plus importante, absolument capitale, ce sera ton lien de destination. Ce sera à ce niveau que tu vas rajouter tout simplement ton lien d'affiliation système.io et ce sera grâce à ce lien que tu pourras gagner de l'argent. Donc tu vas te rendre sur la page du produit, tu n'auras qu'à copier tout simplement ce lien, ne t'inquiète pas, ce sera immédiatement ton lien d'affiliation et tu n'auras qu'à le copier à ce niveau sur le lien de l'épingle. Alors très important les gars, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ceci en automatique. Ce que je vous recommande de faire, c'est de publier plus tard. Donc vous avez tout simplement la possibilité de programmer des posts sur Pinterest gratuitement. Donc si je me rends par exemple là sur le calendrier Pinterest, je vais par exemple sélectionner la date du 19, c'est-à-dire aujourd'hui, et je vais par exemple choisir une heure, c'est-à-dire disons par exemple
12 heures. Une fois que j'ai fait ceci, je n'ai plus qu'à publier cette épingle et cette épingle sera publiée exactement demain à 12 heures. Et donc, ce que j'aimerais te recommander de faire, c'est de sélectionner une seule journée, de télécharger le maximum d'épingles et de te rendre sur Pinterest et de programmer tes épingles, voilà, même sur une durée de 2 semaines pour te donner un certain temps. Et deuxième astuce, c'est tout simplement de créer plusieurs épingles. Si tu es content de ne pas ne publier qu'une seule épingle par jour, je te recommande de publier 3 épingles par jour, 4 mêmes épingles par jour si possible, à des intervalles environ de 4 heures. C'est-à-dire que si tu publies une épingle à 8 heures, assure-toi de publier la deuxième épingle à 12 heures, assure-toi de programmer l'épingle suivante à 16 heures et ainsi de suite. Tu pourras ainsi programmer le maximum d'épingles. Tu pourras ainsi programmer le maximum d'épingles et tu vas ainsi conduire des tonnes de trafic vers ton lien d'affiliation. Et comme tu peux le constater, c'est un projet qui est vraiment excellent. Tu n'as vraiment pas à craindre là-dessus. Tu pourras ainsi encaisser tes commissions très rapidement.